Notre ayatollah de la langue ici à Radio-Canada, le très savant Guy Bertrand, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Guy. Bonsoir. Eh bien, Guy nous a eu à l'œil tout au long de l'élaboration de cette émission. Il veille sur nous, n'est-ce pas? Et sur la qualité de notre français. Surtout lorsqu'il est question du genre des mots. Mettons les choses au clair. Il n'y a que deux genres en français. Genre? Genre, il y a des mots masculins et des mots féminins. Genre? Deux genres, ce n'est pas beaucoup, me direz-vous. Pourtant, c'est bien assez pour avoir des problèmes. Car il y a des mots qui ont les deux genres. Et ces mots n'ont pas le même sens au masculin et au féminin. Oh, genre! Imaginez une mariée avec une voile au lieu d'un voile. Et lorsqu'on se présente devant une commission, vaut-il mieux perdre son mémoire ou perdre la mémoire? Les crêpes sont délicieuses au petit déjeuner. En revanche, le crêpe est mieux indiqué si vous voulez confectionner une robe. Il faut éviter de confondre les deux. Autre mot à double genre, aria. Une aria, c'est une mélodie ou un air d'opéra. Mais un aria, c'est une chose difficile ou compliquée. La question du genre en français, c'est tout un aria? Genre, c'est ça, oui. Faudrait quand même pas abuser du mot genre, surtout quand ça n'a pas rap, genre. Je vais vous montrer 15 mots. Vous devrez placer chacun de ces mots sur un tableau aimanté dans la colonne qui correspond au genre du mot. Attention aux mots qui ont les deux genres. C'est clair? La prochaine étape vous vaut 2000 $ et pour la réussir, vous devez avoir 13 bonnes réponses sur 15. Alors, voici les mots donc, qui ont les deux genres, eux autres... Vous allez voir, il y a trois colonnes, okay. Ça va être très clair. D'accord. Vous avez une minute, ça commence maintenant. Encore 28 secondes. C'est terminé. Je pense que c'est... Vous pensez que ça y est? Je pense. Alors, on a besoin de 13 sur 15. Je commence immédiatement. D'abord, embâcle, c'est bon. Ivoire, c'est bon. Amiante, c'est bon. Ébène. Ébène. Petit malaise, hein, la preuve. Ouais. On continue. Alter, c'est bon. Asphalte. 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 Est-ce que ça va très bien? Asphalte, c'est bon. Décombre, c'est bon. Aigle, oui. On est rendu à 7. Enseigne, bien sûr. Espace, oui. 9. Œuvre, oui. On est rendu à 10. Il en faut encore 3. Ténèbres, tout à fait. On est rendu à 11. Épitaphe, 12. Moustiquaire, 13, c'est réussi! Voilà! Et acné aussi, c'était bon! Voilà, une belle étape réussie. Vous êtes rendu maintenant avec 5 000 $ d'accumulés. Bravo, ce n'est pas terminé après la pause. Cette émission se poursuit sur la langue française en compagnie de nous.